Bonjour à toutes et à tous, c'est BXAKI, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 de ma série sur les mondes magiques de Feed the Beast. Et tout de suite, vous vous enthousiez, moi j'ai pas de chance, j'ai perdu mon Tomodomicon. Voilà. Et deuxième chose qu'on peut voir, c'est que... Je sais pas si vous voyez en bas en gauche, pardon, de l'écran, mais le flux est marqué minimal maintenant. Et il est marqué minimal. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai planté ce truc-là. Et ce truc-là, c'est un silver tree. Et ce silver tree a en fait baissé le flux. Et donc de ce fait, a baissé un peu l'aura aussi, ça j'ai pas compris, mais je sais qu'il a baissé le flux. Et de ce fait, j'ai plus de problème avec le flux. Même s'il fait des petits éclairs qui commencent à me stresser, légèrement. Et j'ai vu un truc qui vole et j'aime pas les trucs qui volent parce que c'est des wisps et des wisps, c'est méchant. Je sais pas si j'aurais dû le planter là. Dites-moi dans les commentaires, les amis, est-ce que c'est dangereux? Les petits éclairs. Ou est-ce que c'est tout à fait normal? Je sais pas, ça me stresse. Parce que je sais pas, enfin là il y a des petits éclairs, mais je sais pas, genre quand vous allez là, ils sont légèrement plus gros les éclairs. Vous voyez ce que je veux dire. C'est bien dangereux par ici. Non, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous savez si c'est dangereux les éclairs ou pas. Parce que ça m'inquiète légèrement. Enfin, de toute façon, on s'en fout, je suis dans ma tour. Donc, mon Tomonomicon est la grande avancée au niveau de ce Tomonomicon. J'ai passé un moment de ma journée. C'est pour ça que la vidéo sera peut-être sortie un peu plus tard parce que j'aurais mis du temps à la tourner. Mais j'ai tout simplement découvert, enfin recherché la quasi-totalité, il me manque ces deux trucs-là, la quasi-totalité des golems. Donc tout ça, je l'ai fait tout à l'heure. Et donc maintenant qu'on a tout ça. Et on va commencer doucement à utiliser ces golems. Hors caméra, j'ai bougé ça, qui était là, pour dégager de la place. Le four, faudra que je trouve quelque chose. Mais donc j'ai bougé un peu tout ça parce qu'il va me falloir de la place pour des Warded Jars. Parce qu'on, ça je le bougerai aussi. Je vais commencer à faire ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire que ce soit des golems qu'automatisent un petit peu ce truc-là. Et voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est ce qu'on me conseille et ce que je vais faire. Donc attendez, est-ce que j'en ai au moins? Sinon ça sert à rien. Non. Ah, les patates. Attendez. Hop là. K2, 2, 4, 4, 2. Alors attendez, je cherche un truc. Ah, ça a que ouais. Ouais, c'est cool, mais je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce que je veux. 2, 4, non. Le mieux reste la Rotten Flesh. Donc, Mawend of Apprentice. Non, c'est pas là. Casse les jambes à chaque fois. Donc, il m'en faut. Il m'en faut 5. 5. Il me faut donc 5 rotten flèches. 1, 2, 5. Ok. Boum. Et là, il n'y a rien qui a été fait comme flux. Et ça, c'est la classe. Yes, because. Donc 5 de ça et ensuite il me faut comme on l'a vu parce qu'en fait là ce que je fais, je vous le dis pas. Si, je vous le dis. Bon en fait je suis en train tout simplement de Nighter. Donc attendez. Je suis en train de faire tout simplement des golems. Et des golems pourquoi faire? Des golems qui vont en fait automatiser. Tiens Bobby, il va falloir que tu viennes avec moi, tu changes de maison. Voilà. Oh quoique Bobby, j'ai envie de le laisser ici, vous savez, c'est Bobby quoi. Bobby tu restes là. Bobby, je t'aime trop pour te laisser partir.
Donc c'est en fait... Ah oui, j'ai laissé ça en bas, j'irai chercher après. Il me fallait quoi déjà, j'ai dit? Zut. Oublier le craft du Nighthawk, quoi, faut le faire quand même, faut être un putain de magot pourri. Feu, lumière et machina. Feu, machina, il m'en faut deux. Oui, j'ai dit, enfin, laissez tomber. Ça, il m'en faut 3. Il y a toujours les travaux chez moi si vous entendez du bruit. C'est pas ma faute à moi. C'est pas ma faute à moi. Moi. Bref. Oh là 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 là. Mais quel handicapé mental je fais. Voilà, et ça, c'est lumière. Donc, c'est dans un crucible, hein, Nighthawk. Ouais, dans un crucible. Bien. De l'eau. Ça aussi, je mettrai un golem qui le fera lui-même. Parce que c'est chiant. Donc, on a dit 4. Ouais. Bon, quand ça boue, c'est comme les pattes. 1, 2, 3, 4. Donc, 4, 4, 4. Et il me faut donc 8 torches. Padam. Et il y a encore rien qui n'a été rejeté dans l'air. Cool. Donc, pourquoi j'en ai qu'un? Ouais, toi. 4, 6 et 8. Ah non! Je me disais aussi pourquoi il y a du machina et du feu ici. Mais c'est parce que j'ai pas le. Ah le boulet! Bon, bah attendez. 2 secondes. Hors caméra aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été un peu miné, donc un peu plus de cobble. J'ai surtout pris du bois, je me suis motivé, j'ai pris un peu de bois. Parce que ça commence à me saouler, hein, jamais rien à voir là. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait le fifou, je suis allé en chercher. Et il va me falloir ça. Ouais. Non, du coup j'ai plus de bâtonnets. J'ai plus de bâtonnets. Un, deux. Le truc qui est encore moins pratique, c'est que les travaux ils sont juste à côté de ma chambre, mais c'est une horreur! Une horreur! Une horreur, ça m'énerve. J'en ai marre, je vais me suicider. Voilà, je suis mort. Je sais pas pourquoi je fais ce bruit là, je cherche pas à comprendre. Il faut que je vous dise quelque chose aussi. J'ai carrément zappé, je devais le faire en début d'épisode, mais je l'ai pas fait. Malheureusement, vous n'aurez plus d'épisode sur la super hostile. Et là, ah, pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai failli encore oublier, il m'en faut 6. Tout simplement parce que la super hostile, c'est pas ce que je pensais. Mais pas du tout. En fait, je pensais vraiment que j'allais m'amuser avec vous, etc. Aller tourner, mais en fait, c'est. Surtout que la map, en fait, c'est pas celle que je croyais. Enfin, c'est pas une super hostile terrible, en fait. Enfin, elle est pas terrible dans le sens où c'est que de l'exploration, en fait. Enfin, il y a quasiment que de l'exploration. Il n'y a pas vraiment de donjon hardcore comme il y a pu avoir dans les autres. Et franchement, j'étais déçu de cette super hostile et je m'amuse pas en la tournant. Donc, je me suis dit. Qui j'ai pas envie de leur faire une série pourrie, donc c'est pour ça que vous aurez plus de map super hostile, malheureusement. Malheureusement et heureusement, puisque comme ça évite les épisodes où vous vous ennuyez et qui m'ennuient de même en fait. Est-ce que j'ai du Great Silver Tree? Ouais. Donc ça, je suppose que c'est sur l'altar. Voilà, je m'en excuse pour ceux qui aimaient bien, mais malheureusement, on peut pas tout. Zut. Vous savez quoi? Je vais faire une petite coupure le temps de préparer ces golems. À tout de suite. Tadadadam! What the hell do you? Enfin, pourquoi t'es là, quoi? Cassez-vous, cassos, cassos, cassos. Il y a trop de monde dans ma piscine. Oh non, c'est chiant. Ah, je reviens. Eh bien, re tout le monde, et comme vous pouvez le voir dans ma barre d'inventaire, j'ai trois petits golems. Donc, je vais les nommer dans l'ordre, mais oui, parce que tous mes golems auront un nom. Mais avant ça, il faut que je gère celui-ci. Que j'ai fait par erreur, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais fait celui-là, mais en fait, il fallait pas le faire. Et du coup, bah, j'ai refait un Animation Core pour celui-ci, et j'ai crafté celui-ci avec intelligent. Donc, toi, je te mets ici. Oh, il est moche.
Viens là. Je te donne un paquet. Et il n'y a pas de marqueur. Alors, attendez. Il faudrait un marqueur. Voilà. White marqueur. Du bois et de la laine. Mais c'est-tu pas parfait, ça? Alors. Marqueur, 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 marqueur. Il me faut. 1, 2, 3. Ah oui, bah forcément. 4, 1, voilà, toi. Et un de laine. On va utiliser la laine blanche pour ce pattern-là. Hop, 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 hop. Oh, mais ça en fait deux en plus, c'est parfait. Hop, on descend. On vire ça. On met ça. Est-ce qu'il va. Et il remplit son seau! Oui! Alors, lui, je vais l'appeler. Hamlet. Voilà, Hamlet, c'est parfait. Donc, sur ce, passons à l'étape suivante. Je reviens, petite coupure. Eh bien, re tout le monde, qu'est-ce que ces travaux peuvent me gonfler, putain! Bref, donc, l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est. Tin, tin. Non, je déconne. Le champ automatique. Donc, comment je vais le faire? Je sais pas, là, j'improvise. Hein. Non, attendez. Ah, merde, c'est l'autre qui a mon seau. Hamlet! S'il te plaît, Hamlet! Viens voir papa. Faudrait que tu me donnes ton seau 2 secondes. Tu me donnes ton seau? Oh, il est gentil, Hamlet. Qu'est-ce que je peux être débile, moi, mon Dieu! Faut m'interner, faites quelque chose! Je sais pas, mais laissez. Me laissez pas en liberté. Mon Dieu. Alors, moi, si je gagne un prix sur YouTube, ce sera celui qui dit plus de conneries en 10 minutes, hein. Je suis plutôt doué. Non, c'est pas ça que je voulais placer, c'est les torches. Il va me falloir des barrières. Ouais, il va me falloir des barrières, et pour des barrières, bah, je les ferai après. Vous savez quoi, ça me stresse ces trucs là-bas, je vais mettre mon casque, parce que sinon je vais croire à la fin du monde, alors que ça ne l'est pas encore. Ce petit champ-là devrait suffire. Bien, alors maintenant. Il faut que je place le double coffre. Voilà, qui sera plus tard un Ender Chest. Je relie Jean et Paul. Jean-Paul. Bref. Donc, Jean et Paul. Jean, j'aimerais cliquer sur toi, Jean. Jean. Oui, je sais que t'es juste un Paul. 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 Bon, Paul. On va tester si Paul fonctionne. Alors, si je jette ça, qui c'est qui ramasse? Jean, c'est bon. Mais est-ce que Paul fait son boulot? Je vais chercher de la bonne mille. Si Paul fait pas son boulot, je vais le taper. Parce que je sais à peu près comment fonctionnent ces bestioles-là, mais pas à 100%. Voilà. De la bonne mille. Pourquoi j'en ai pris autant, je cherche pas à comprendre. Oui, il faut que je fasse un coffre bordel bordélique aussi de je ne sais plus qui, excuse-moi. Mais je sais qu'il faut. Bon, est-ce que tu vas apprendre à faire ton job, toi? Ou est-ce qu'il faut que je le fasse pour toi? Ah, c'est cool! Il a fait son job! Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'il a fait des graines en plus? Les amis, là. Ouais, donc, ouais. Le temps qu'il soit toutes placées, en fait, les graines, il va falloir que je les place moi-même, en fait. Et ben, c'est un grand succès. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est le. Alors, attendez. Il est où? Il est là. Et je le ferai pour le prochain épisode. Il coûte quoi comme aspect, celui-là? Oh, le truc de Bourges! Je le ferai la prochaine fois celui-là. Parce que celui-là, je vais le mettre ici, là, à côté du champ, pour qu'il puisse protéger tout ce petit monde. Qui protège Jean et Paul.
Tout de suite, je vais faire. Oups. Je vais faire des barrières. Oh, j'en avais un petit peu en ras, mais je vais refaire quand même. Excusez-moi, petit problème vidéo. Donc, nous nous retrouvons ici. Je vais placer les barrières en essayant de faire en sorte que Bobby. Enfin, non, putain, que Jean et Paul. Putain, les noms de merde, des pauvres gamins. Que Jean et Paul soient protégés. Pas cette barrière. Et c'est la déception! Il n'a pas assez de barrière. Voilà, c'est parfait. Vous ne trouvez pas ça bien, vous? Là, 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 là. Non? Ils sont pas protégés comme ça? Moi, je trouve. Pas vous? C'est bizarre. Eh bien, voilà. C'est ce que je voulais faire. Bah, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Du coup, puisqu'on aura pas mal. On aura pas mal avancé, donc je vais vous laisser là, en espérant que les travaux se calment un peu et que les gens qui crient aussi, parce que c'est assez énervant, j'espère que vous les entendez pas. Donc on se retrouve au prochain épisode, on continuera un petit peu les golems parce que ça me botte, on essaiera peut-être de faire quelques fermes à monstres, etc. Donc voilà, en espérant que on se voit très rapidement sur ce. A plus dans le bus et hope you like it!